Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. 15 000 tonnes, ça valait bien un fait du jour. 15 000 tonnes de chocolat va s'écouler en ce week-end de Pâques. Des œufs, des lapins, des cloches. Il y aura aussi des gâteaux, bien évidemment. Pas en chocolat, ceux-là. Le lamala en Alsace, la mouna pour les pieds noirs. Pâques, c'est aussi l'agneau du dimanche, bien évidemment. Le jeûne du vendredi pour les plus observants. Et pour vous, c'est une fête commerciale, c'est une fête religieuse ou c'est le premier long week-end de l'année? J'attends que vous me disiez ça au 39-21. C'est intéressant parce qu'on va avoir ce soir une discussion à la fois sociétale, religieuse et puis gourmande, exactement. Vous avez reconnu la voix de Christian Constant, chocolatier, mais vous avez un autre mot pour vous définir, Christian Constant, oui, que je compositeur de chocolat. Compositeur voilà. De chocolat. Et Isabelle de Golemin, bonsoir à vous et merci bonsoir. Isabelle d'être avec nous, rédactrice en chef de La Croix. Isabelle de Golemin, d'abord, combien de Français célèbrent encore la Pâque comme elle doit l'être, si j'ose dire, selon le rite chrétien, oui, alors, catholique en fait, ou protestant. Assez peu. C'est-à-dire que la fête chrétienne la plus célébrée, paradoxalement, c'est Noël. Alors que la vraie fête chrétienne, c'est Pâques, puisque c'est vraiment là que les chrétiens affirment ce en quoi ils croient, à savoir la résurrection. Noël, c'est une fête finalement qui s'est rajoutée au 3e siècle après Jésus-Christ, mais qu'on ne fêtait pas du tout. C'est une fête tardive, Noël. C'est une fête tardive, puisque Noël, vous dites simplement, y a quelqu'un qui se nommait Jésus, qui est né en l'an 0, ou ouais. Plutôt moins 3 d'ailleurs avant Jésus-Christ. Ouais. Mais ça, ce n'est pas un acte de foi. Par contre, dire qu'il y a quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité, ça c'est un acte de foi. Donc vous êtes chrétien à partir du moment où vous fêtez Pâques. Mais il y a beaucoup moins de gens qui fêtent Pâques, c'est vraiment une fête pour les chrétiens assez pratiquants, alors que Noël, on va dire, c'est plus une fête familiale, c'est plus facile. Parce que Pâques, en fait, c'est pas très drôle, on fête la mort de quelqu'un enfin, et la résurrection. C'est sa résurrection quand même. C'est sa résurrection, mais trois jours après, c'est quand même d'abord un échec, c'est la croix. Qu'est-ce que c'est ce soir Pâques, par exemple, pour les plus pratiquants? C'est le Vendredi Saint. On mange? Donc c'est le... Non, là, on en fait, on prie, il y a encore une célébration. En fait, c'est toute la semaine. Hein. Ça a commencé jeudi saint, vendredi saint, samedi saint. Donc là, on va prier et en fait, on se remémore la mise au tombeau du Christ. Et c'est dans la nuit de Pâques, donc du samedi à dimanche, que les chrétiens fêtent ce passage, d'ailleurs, de la nuit à la lumière, de la mort à la résurrection, qui est vraiment le propre de Pâques. Il y a une Pâques dans toutes les religions, pardon de le dire comme ça. En fait, la Pâques juive commence aussi aujourd'hui, en fait, c'est pour ça que j'y pense. Mais absolument, mais chez les raison. Païens, on pense souvent, on parle souvent de la fête du printemps. Oui, alors etc. Vous avez raison, parce que la Pâques chrétienne, elle est directement inspirée de la Pâques juive. D'ailleurs, Jésus, à Jérusalem, quand il s'est rendu à Jérusalem, il allait fêter la Pâques avec les disciples. Donc on est complètement raccord, on va dire, avec les Juifs. De toute façon, Jésus était juif. Et donc c'est vraiment une fête pour les Juifs. Les Juifs, ils commémorent le passage de la mer Rouge, c'est-à-dire ce peuple qui va retrouver en quelque sorte une sorte de vie après avoir été esclave, donc mort en Égypte. Donc c'est un peu le même symbole. Et donc les chrétiens ont choisi le même symbole pour fêter la mort, la résurrection. Alors après, c'est vrai que dans toutes les religions, il y a ce symbole de la vie, ou plutôt de la mort à la vie, ou de la vie qui renaît, ou du cycle, etc. Ouais. Et d'ailleurs, les œufs, pour rejoindre l'œuf de Pâques, les œufs, en fait, c'est très très ancien. On a retrouvé des œufs gravés en sanskrit. Donc, c'est dans beaucoup de religions, on a ce symbole de l'œuf. Syncrétisme, quand même. On va le retrouver effectivement. Qui est un symbole de vie, en fait, hein, de renaissance. Et donc, ensuite, les chrétiens, quelque part, ont christianisé ce symbole. Très intéressant. Le Moyen-Âge, d'ailleurs, ça s'est produit. Hein, Christian Constant. Quand le clergé a décidé qu'il y aurait des nourritures maigres, des nourritures... Oui, alors pour le carême. Pour le carême, fait, voilà. Parce mais ça s'est décidé pas, très tardivement, on ne pouvait ça, pas manger des œufs. Les orthodoxes l'ont fait un peu avant, parce que alors, eux, ils fêtent... ils estiment que Marie-Madeleine, mais c'est une légende, mais voilà, qui révère que Marie-Madeleine serait allée voir l'empereur pour le remercier d'avoir permis qu'on descende le corps du Christ, elle aurait offert des œufs à l'empereur. Mais de fait, d'abord, c'est ce symbole de vie qu'on fête, et puis c'est aussi le fait que pendant le carême, on ne pouvait pas manger ni de viande, ni de laitage, ni d'œufs. Donc il y avait plein d'œufs qui s'accumulaient. Exactement. Qu'est-ce qu'on allait faire de ces œufs? C'était des œufs durs. Et puis il ne faut pas oublier que les Juifs, eux, en signe de deuil, les repas de deuil, il y a toujours un œuf dur. Un œuf dur. Donc c'est vraiment un symbole très profond, je pense. Et la filiation est très claire quand même entre les deux religions telles que vous le décrivez. Ah bah c'est là, la même chose. Mais ça, on va le retrouver à peu près dans Christian toutes les Constant. Religions de Mésoamérique. Hein. Il faut dire que chez les Aztèques, chez les D'où Mayas, vient le cacao, chez les Toltecs, c'est pour ça que vous bien faites sûr, le lien. Voilà. Mais on va retrouver à peu près la même symbolique en ce qui concerne l'œuf. C'est tellement évident, puisqu'on on constate que de cette forme parfaite, une fois qu'elle se casse, sort un petit dinosaure. Hein, puisque tous ces petits oiseaux sont des mini-dinosaures, en quelque sorte. Mais c'est tellement évident, ça représente tellement la naissance, l'arrivée de la vie, en quelque sorte, qu'on va le retrouver, je crois, dans toutes ces religions. L'œuf de Pâques, il est religieux au départ, donc ?
Non, oui. il n'est pas directement religieux. On s'est accaparé. Hein. Non, mais bon. C'est quand même, on va dire que ça correspond à un symbole qui a été utilisé dans beaucoup de cultures de manière religieuse. Voilà, ce qu'on appelle religion. Mais voilà, c'est effectivement cette idée de renaissance. Ensuite, c'est sûr que, comme d'ailleurs beaucoup de symboles, hein, c'est pareil d'ailleurs pour les lumières de Noël, qui était d'abord une fête des lumières avant de devenir la fête de la naissance de Jésus. C'est-à-dire que les chrétiens ont recherché des symboles souvent plus anciens pour ce qu'on appelle les christianiser. Donc aujourd'hui, oui, c'est pas tout à fait du syncrétisme. Je crois que simplement les religions, elles ont besoin de choses concrètes pour se rappeler des choses spirituelles. La spiritualité, c'est pas un truc qui vous arrive quand vous êtes enfermé dans un monastère. C'est dans la vie de tous les jours. Ça peut arriver donc aussi. Hein. Ça peut arriver aussi. Paraît-il. Ça permet quand même. Les Pâques, voilà. Il faut de la matérialiser. La matérialiser et puis la fêter parce que c'est joyeux quand même. Voilà. La fête. Donc il faut le fêter. Voilà. Donc là, la gourmandise devient autorisée à partir de maintenant. Vous m'avez donné le feu vert. Comment est-ce qu'on passe aux œufs au chocolat gourmandise... Quand est-ce qu'on passe aux œufs au chocolat, question constante. Ah oui, oui. Non, mais alors on passe pour. À deux périodes, on peut dire. Hein. D'abord, il faut considérer que le chocolat, on le connaît très récemment, puisqu'il a fallu attendre la conquête de la Nouvelle-Espagne par Cortés. C'est quand même 1526. Le chocolat n'était pas consommé du tout sous la forme que nous connaissons aujourd'hui. C'était une boisson qui, par analogie, devait vous donner de la vigueur et de la force. C'est-à-dire que ce chocolat en question était piquant. On y mettait des piments, on le recolorait en rouge, alors qu'il avait été fabriqué avec une décoction des couteaux d'obsidienne qui avaient servi à sacrifier des victimes. Donc il fallait le recolorer avec du roucou. Et en plus, il fallait qu'il soit suffisamment piquant pour vous conférer une espèce de force et de vigueur. Et d'ailleurs, il n'y avait que l'empereur qui en consommait et les guerriers au moment des combats. Mais nous, à quel alors, moment nous, est-ce qu'on a fait des œufs au chocolat ça, et récupéré aussi par les chocolatiers. Mais il a fallu que l'on connaisse également les moules, parce que pour mouler du chocolat, il fallait avoir des moules. Hein. Donc, c'est arrivé donc beaucoup plus tard. Et ces moules, c'est une récupération des chocolatiers. Voilà. Isabelle de Gomain. Il ne faut pas oublier que l'œuf, ce n'est pas simplement à manger. Par exemple, les œufs de Fabergé. C'est-à-dire que de ce symbole chrétien, on a fait aussi un objet d'art, don, un cadeau. Donc, il y a les œufs en chocolat, mais il y a aussi les œufs en porcelaine, les œufs en cristal. Oui, Et les œufs en chocolat, précisément, est-ce que vous pouvez dater, vous qui êtes un historien du chocolat, est-ce que vous pouvez dater leur apparition ? On m'a souvent posé la question, mais entre nous, c'est très difficile. Hein. Je crois qu'il faut se rapprocher simplement de ces moules en question qui ont permis donc, de faire des moulages. Fin 19e, début du 20e siècle. À peu près, oui. C'est l'époque Brillat-Savarin, etc., donc, qui a permis de faire ça. Moi, j'ai encore dans ma collection de vieux moules très anciens, qui sont en fer blanc étamé, puisqu'on ne connaissait pas l'inox encore à cette époque-là, ni le plastique, bien entendu, voilà. Les cloches, ça vient d'où ? Ouais, les cloches, après. Alors, c'est les cloches, vous savez, quand j'étais enfant, c'est les cloches de Rome. Qui m'amenaient les œufs. Bon, bah après, voilà. Là, on est dans le conte. Alors, il y a les cloches de Rome, et puis en Alsace, c'est le lapin, parce que le lapin, le lièvre, qui apporte les œufs, parce que c'est aussi le signe de la fécondité. Voilà, donc à chacun un peu son. Moi, j'étais du nord de la France ou de la région parisienne, c'était les cloches. Vous me dites que les Alsaciens, c'est le lapin. D'ailleurs, en Alsace, vous trouvez aussi des lapins à manger, des lapins en chocolat. J'en ai eu aussi. C'est de là que ça vient. Mes enfants mangent. Voilà. Ça s'est étendu finalement, on s'est mélangé. Là aussi. Mais si vous allez par exemple dans une. Au moment du Pâques orthodoxe, qui n'est pas tout à fait le même moment que la Pâques catholique, il y a à peu près une semaine de différence, ce n'est pas le même calendrier. Là, on vous offrira, lors de la célébration de Pâques, on vous offrira des œufs, des très beaux œufs, des œufs peints, des magnifiques œufs, des œufs, mais pas à manger. Mais c'est encore quelque chose de très important chez eux. Donc c'est à la fois un objet. Une façon de fêter. C'est une façon de fêter pour eux. C'est une façon de dire, ça y est, Christ est ressuscité. Hein, c'est ce qu'ils se disent en sortant de la célébration. Christ est ressuscité. Les orthodoxes. Donc c'est quelque chose pour eux de très joyeux et ils s'offrent des œufs. Marquons une pause sur cette évocation. C'est passionnant parce que on a croisé les religions, la gourmandise, des religions qui parfois se sont dit rivales à certains moments et puis qui se retrouvent sur leurs symboles. Croisons-nous avec vous si vous voulez bien au 39-21. Venez me raconter votre Pâques à vous, vos œufs de Pâques si vous le souhaitez, bien évidemment, votre repas de Pâques, soyez gourmand avec nous au 39-21 tout de suite. On parle de Pâques, alors on parle de Pâques exactement comme vous le souhaitez ce soir, dans le sens où vous souhaitez l'interpréter bien évidemment. Si ce soir par exemple vous observez le jeûne de Pâques parce que vous êtes chrétien, venez nous le raconter. Et si au contraire Pâques pour vous c'est devenu l'occasion de faire se balader les enfants dans la forêt par exemple ou dans le jardin à la recherche des œufs amenés soit par les cloches de Rome dont nous parlait Isabelle de Gomain, soit par les lapins, les petits lapins blancs, les lièvres. Les lièvres blancs. Le lièvre blanc alsacien que précise
Christian Constant qui est chocolatier, n'hésitez pas. On continue à évoquer ça ensemble. Alors j'ai une question très importante. Les œufs, c'est le dimanche ou c'est le lundi ? Les œufs, normalement, c'est le dimanche, c'est après Pâques. Voilà. Après, je pense que dans chaque famille, ça peut être différent. En fait, le lundi, c'est pas vraiment un jour férié, c'est le dimanche qui est le dimanche de Pâques. C'est un vrai jour férié. C'est un jour férié parce que vous travaillez pas, mais c'est pas. Moi, je serai là. Mais c'est pas un jour. C'est pas un jour, on va dire, férié au sens religieux. C'est vraiment. Donc, c'est vraiment le dimanche. Par extension. Le lundi, c'est parce qu'on a fait, parce qu'on fait un long week-end, donc ça arrange les gens d'avoir Pâques, et puis ensuite le lundi de Pâques, juste après Pâques, ça permet aux gens de revenir chez eux, etc. Mais c'est pas la célébration religieuse, elle est le dimanche de Pâques. La rupture du jeûne, c'est le dimanche, c'est pas. La rupture, oui, c'est ou même c'est le samedi, c'est le dimanche, dans la nuit ou le dimanche matin. Oui. Vous me disiez, Christian Constant, que ces œufs, ou œufs en chocolat, ou œufs d'ailleurs, c'est pratiqué à travers le monde. Oui, absolument. Moi, j'avais relevé qu'on offrait des œufs en Chine. En Chine, le jaune donnait la terre, la partie supérieure et inférieure de la coquille donnait le ciel et les astres. Aux Indes, le monde et toutes les créatures vivantes naissaient d'un œuf en or. Chez les Celtes, c'était l'œuf de serpent. Et figuré par l'oursin fossile qui engendrait toute la création. Chez les Dogons du Mali, l'œuf cosmique naît d'une vibration sonore initiale. Voilà, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de civilisations qui reconnaissent en tout cas l'œuf. Mais j'ai des amis viticulteurs qui font leur vin dans des œufs en béton parce que justement tout circule à l'intérieur d'un œuf. Pardon, je leur adresse un salut au passage. C'est peut-être pour mettre le vin d'ailleurs sur la table le dimanche. Alors qu'est-ce qu'on mange le dimanche de Pâques ? Alors le dimanche de Pâques, c'est vrai que traditionnellement, on mange l'agneau, le gigot d'agneau. Alors pourquoi il faut voir que là, il y a un sens religieux très fort. Dire que l'agneau, c'est pour les Juifs, au moment de s'échapper d'Égypte pour franchir la mer Rouge, Moïse avait dit aux Juifs, écoutez, pour que je vous reconnaisse, vous sacrifiez un agneau et vous mettez le rouge sur la porte de façon à ce que je sache où il y a les Juifs, puisqu'il y a eu, par ailleurs, ils ont tué les Égyptiens. Donc pour ne pas tuer des Juifs, c'était un signe de reconnaissance. Donc après l'agneau, voilà, les Hébreux. Donc après, l'agneau est devenu donc un symbole religieux chez les Hébreux et du coup aussi par extension chez les chrétiens. Et on a beaucoup dit, quand vous trouvez ça chez Paul par exemple dans l'évangile, le Christ est un agneau, l'agneau de Dieu. C'est de là que ça vient, c'est-à-dire que ce symbole de l'agneau, c'est celui qu'on sacrifie pour que les autres vivent. Voilà, c'est dans ce sens-là. Mais dans le judaïsme, on mange aussi un agneau ? Alors, le soir de Pécha, à un moment, il y a toute une tradition très compliquée. D'abord, Pécha, ça dure plusieurs jours. Donc, il y a un moment où il y a effectivement un plat avec de l'agneau. Donc, mais vous savez, le christianisme vient du judaïsme, il ne faut jamais l'oublier. Qu'est-ce que vous mettrez dimanche sur votre table, vous, Christian Constant ? Chez moi, on avait des traditions qui étaient bien établies, en tout cas. C'est où, chez vous ? On n'était pas des chrétiens très, très, très pratiquants, mais quand même. Par exemple, le vendredi saint, on mangeait de la morue systématiquement. Du poisson, donc. C'était comme ça, voilà. Et le jour de Pâques, c'était de l'agneau. C'était de l'agneau, mais ce n'était pas forcément du gigot, d'ailleurs. Ça pouvait très bien être d'autres parties de l'agneau, en tout cas. Mais traditionnellement, on mangeait l'agneau, effectivement, voilà. Et on n'était pas des pratiquants extraordinaires, mais malgré tout, on avait quelques traditions et quand on est à respecter. Voilà. C'était où chez vous ? Ben moi, je suis bordelais, je suis fils de vigneron, petit-fils de vigneron. Voilà, donc j'ai vu votre œil s'allumer quand j'ai parlé tout à l'heure de mes amis vignerons et des œufs voilà, en béton dans lesquels ils font parfois leur vin. On mange plus de chocolat d'ailleurs à Pâques, oui, nettement. Oui, nettement. Je disais tout à l'heure 15 000 tonnes, ça semble énorme. Oui, mais simplement parce qu'on offre du chocolat. Je crois que c'est une chose assez acquise, en tout cas, d'offrir du chocolat. Il ne viendrait pas à l'idée d'aller offrir des œufs de poule, en tout cas, à ses amis. Enfin, c'est une chose qui a disparu complètement. De fait, notamment chez les chrétiens orthodoxes, on offre encore des œufs peints, des œufs, des vrais œufs, des œufs qu'on a peints. Voilà, mais décorés, c'est un cadeau. Mais pas des œufs comestibles, en tout cas. On ne va pas vous offrir un pack de 6 œufs ou de 12 œufs, en tout cas. Non, mais il y a encore dans certaines campagnes, moi je pense par exemple du côté de Carcassonne, des chasses à l'œufs. Oui, comestibles, de vrais œufs qui sont organisés dans des grands jardins. Oui, parce qu'il faut utiliser ces œufs, si vous voulez, parce que les poules ne sont pas arrêtées de pondre à cause du carême. Les poules ont continué, au contraire, elles se sont réveillées même à ce moment-là, et donc la production est devenue très importante. Donc on a cherché toutes sortes de choses pour consommer cette avalanche d'œufs. Rien n'avait vraiment de tous les côtés. On les a lancés comme des boules également. On a fait des concours. Il fallait vraiment s'en servir. On a inventé l'omelette. Non. Comment? Non, l'omelette, elle existait avant. Oui, quand même. Non, avant, quand oui, même. Oui, j'imagine. Voilà. Mais en tout cas, il fallait surtout utiliser toute cette
cargaison extraordinaire d'œufs que les poules avaient pondus, sans tenir compte de nos convictions religieuses, en tout cas. Deux choses qui m'ont impressionné. La première, c'est le nombre de... Alors, 15 000 tonnes, je vous l'ai dit, de chocolat qu'on va déguster pendant ce week-end de Pâques. C'est trois fois moins qu'à Noël. Ça ne surprendra personne, on termine tous Noël avec une crise de foie. Hein. Oui, et d'ailleurs, c'est, enfin, voilà, ça c'est notre société telle qu'elle est occidentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et pour le côté effectivement festif et pour le côté religieux, Noël est devenu plus important que Pâques. Alors que de fait, dans le sens théologique, c'est vraiment Pâques. Ce que vous rappeliez tout à l'heure, voilà. La fête chrétienne fondatrice, c'est Pâques. Ah oui, c'est pas pour moi. Si vous prenez l'Asie, en Asie, c'est pas du tout ça. Ah bah oui, non, mais là, je parle en Asie, des pays chrétiens. Oui, ouais. Non, je parle des pays chrétiens. Et c'est vrai que Noël, c'est plus facile quand vous êtes un peu, voilà, pas forcément très près de la foi, c'est quand même plus facile. Vous y allez avec vos enfants, c'est la naissance d'un petit bébé. Il y a quelque chose qui est plus facile à comprendre que Pâques, qui est quand même dur. Hein, c'est cette histoire de croix, de mort. Aller expliquer ça à des enfants, c'est pas facile. On disait tout à l'heure. Dernière chose, on est un pays de chocolat, Christian Constant, la France. J'ai vu que les Allemands en mangeaient deux fois plus que nous. Oui, ils en mangent effectivement deux fois plus que nous. On a dit que les Suisses aussi, mais en fait, les Suisses, surtout, les statistiques sont un peu faussées en ce qui concerne les Suisses, parce que c'est pas eux qui en mangent véritablement, c'est eux qui en exportent énormément. Ah oui, qui en vendent. Voilà, donc il ne faut pas confondre, si vous voulez, la production. Mais les Allemands. Les Allemands en mangent plus que véritablement. Ah oui. Deux alors, fois plus. Nous aussi, on en mange de plus en plus, mais on en mange d'ailleurs mieux qu'on en mangeait autrefois. C'est-à-dire que le consommateur de chocolat aujourd'hui est un consommateur érudit. Ce sont des gens qui savent qu'il y a des variétés botaniques différentes, qu'il y a des qualités également tout à fait différentes des unes des autres. Et puis nos clients nous posent des tas de questions. Et moi, je commercialise des chocolats qui viennent un petit peu de tous les pays. Rue des Écoles, nous avons notre magasin. On a une très grande variété de tablettes qui sont des tablettes de plantation qui ont des goûts différents. Parce qu'elles sont issues de variétés botaniques différentes également, et puis d'années plus ou moins intéressantes en tout cas. Merci à tous les deux en tout cas d'avoir participé à cette évocation et de nous avoir nourris en information de manière considérable sur ce week-end de Pâques que je n'avais pas vu comme ça. Christian Constant, merci d'avoir été avec nous. Vous avez indiqué, partagé le chocolatier, donc Christian Constant, et Isabelle de Gomain qui est rédactrice en chef de La Croix et qui connaît évidemment tout ça sur le bout des doigts. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Europe 1.